le miracle grec, triomphe de l'ordre et de l'intelligence sur le chaos, source de toute la civilisation occidentale. Il éclate au 5e siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Périclès, dans l'harmonie des temples comme ici celui de Sunion, près d'Athènes. Mais était-ce vraiment un miracle? Son enfantement fut douloureux et dura 7 siècles. 7 siècles de tâtonnements, de guerres, d'aventures. La poursuite de la Toison d'Or par Jason et les Argonautes. La guerre de Troie pour sauver la belle Hélène. Et chaque fois, l'aventure naissée du mariage entre la mer et la terre. Comme le sait bien le navigateur solitaire, Bertrand de Castelbajac. Regardez, regardez. Vous avez une belle mer, vous avez tout cet archipel. Le meilleur moyen de communication ici, c'est le bateau. C'est beaucoup plus facile que par la route. Et puis sur la terre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez ces terres qui sont là. Il y a tout juste de quoi nourrir une chèvre. Un homme ne peut pas y trouver sa nourriture. Il est obligé d'aller pêcher au minimum. Et puis après, il devient un peu pirate. Hein. Ils ont tous été un peu pirates. Il n'y a pas que les Grecs. Bon. Ils étaient obligés de devenir marins. Même par nécessité, même s'ils n'en avaient pas le goût. On ne leur demandait pas leur avis. Il fallait qu'ils deviennent marins pour survivre. De toutes les expéditions légendaires de ce peuple de la mer, la plus célèbre est celle de la guerre de Troie, qui a fasciné l'écrivain Michel Déhan. Nauplie est un endroit particulièrement émouvant. C'est ici qu'a commencé, si vous voulez, la grande aventure de Troie, celle qui a inspiré l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est ici que les Argiens, les Achéens, les Mycéniens, les Argiens, toutes les populations qui ont vécu dans cette région, se sont rassemblés pour partir vers Troie. Je trouve assez extraordinaire et assez émouvant que nous soyons ici, non pas en vertu de souvenirs historiques, parce qu'il n'y a pas d'histoire de la guerre de Troie, il n'y a pas de preuve de l'histoire de la guerre de Troie, mais il y a un poème. Ce poème est devenu la vérité. Pour les Grecs, tout est poésie, y compris l'histoire. Ils la chantent aujourd'hui sur les places des villages, comme l'a chanté depuis 3000 ans les Aèdes et les Rhapsodes. C'est ici, au fond, que notre civilisation occidentale a commencé. C'est ici que, dans les mots, et dans la poésie, et dans l'Iliade, nous avons trouvé un sens à la vie. C'est-à-dire que nous avons trouvé une responsabilité dans nos actes et en même temps un certain enchaînement fatal. C'est à travers les chantres grecs que s'est transmise de génération en génération l'étonnante histoire de la guerre de Troie, de l'enlèvement de la belle Hélène, des exploits des héros Achille et Hector. Ces légendes populaires, un poète, Homère, les a rassemblées au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans une œuvre monumentale et définitive, l'Iliade et l'Odyssée. Μην αηδεθα πλιάδε ο Αχιλλίος σουλωμένην η μυρία χείς αλλιέστηκε. Chante la colère d'Achille, colère funeste qui causa 1000 douleurs aux Achéens et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables. La volonté de Zeus s'accomplissait. Mais pouvait-on croire Homère, le poète aveugle? Il décrivait des événements qui s'étaient passés 5 siècles avant lui. Un homme, lui, n'en a jamais douté. Tout enfant, il rêvait devant cette gravure de la fuite d'Énée. Pour lui, la guerre de Troie avait eu lieu. Cette histoire était vraie. Fils d'un pasteur pauvre du Mecklembourg, Heinrich Schliemann, ayant amassé une immense fortune dans le commerce des épices, décida à la fin du 19e siècle de partir sur les traces des héros de l'Iliade. Il y consacra le reste de sa vie. Il retrouva les lieux décrits par Homère, entreprit d'immenses fouilles et finit par déterrer des civilisations inconnues. Pour lui, pas de doute possible. La preuve était faite. Génial, entêté, excessif,
Contesté par les savants du monde entier, il n'a peut-être pas réussi à prouver que la guerre de Troie s'est passée exactement comme l'a raconté Homère. Mais il est devenu en chemin le pionnier de l'archéologie moderne. Oui, il mérite bien de reposer dans le mausolée grandiose dont il a dessiné lui-même les plans, face à l'acropole d'Athènes. En 1875, à Mycène, à 100 km d'Athènes, Schliemann découvre d'abord des tombes, des sépultures royales enfouies sous la colline, et à l'intérieur, un trésor. 1000 ans avant le miracle grec, des hommes avaient construit ces monuments étonnants. Constantin d'Assise, dit Costas, le fils du chef de chantier de Schliemann, a grandi au milieu de ces fouilles. La tombe principale a 12 ou 13 mètres de haut. Tout autour, elle était décorée avec des rosettes en or. Les rois venaient ici déposer leurs cadeaux. Et de l'or, des masques, des bijoux, de l'or partout. Il a trouvé beaucoup d'or dans sa vie, sans doute. Βρήκατε πολύ χρυσά φυστιζωή σας. Στα δέντρα που κάναμε ανασκαφάς, βρήκαμε πλουσίους τάφους μυκηναϊκούς. Oui, il a trouvé des tombes très très riches à Dendra. Βρήκαμε ένα θολωτό τάφο, μικρός, αλλά ήταν πλούσιος τα ευρήματα. Ils ont trouvé une petite tombe Tholos, mais qui était extrêmement riche en or, βρήκαμε δύο χρυσά ποτήρια. Deux coupes en or, par exemple. Με αυτά τα ποτήρια ήπια και κρασί. Avec ces coupes, j'ai bu du vin. Οι δε Σουηδοί έκαψαν τα πουκάμισα, έβγαλαν τα πουκάμισα και έκαναν θυσία. Ont enlevé leurs chemises et ont fait un sacrifice de leurs vêtements parce qu'ils étaient tellement heureux d'avoir trouvé. Et lui n'a jamais été tenté de voler. Esas potezas se. Δεν μπήκατε σε πειρασμό ποτέ σας να πάρετε κάτι. Δεν άφηνε η συνήθιση. Oui, c'est sa conscience qui ne lui permettait pas. Η συνήθιση. Schliemann avait bel et bien découvert un nouvel âge d'or, admet le professeur Henri Van Effenter. L'âge d'or, ou si l'on préfère l'âge du bronze, car nous sommes vers les débuts du bronze, au début du deuxième millénaire avant notre ère, quand la Crète, cette île merveilleuse au cœur de la Méditerranée orientale, se trouve le véritable foyer de la culture européenne. La Crète, civilisation agricole, pacifique et matriarcale, où la femme était reine et déesse, comme en témoigne cette fresque baptisée la Parisienne. Seulement, plus au nord ou plus à l'est, il y avait d'autres populations, sans doute un peu moins avancées, qui déjà occupaient une partie de la Grèce. Ces Indo-Européens, les Achéens, qui avaient domestiqué le cheval, étaient au contraire des nomades et des guerriers, des tribus de conquérants. Leurs dieux n'étaient pas des femmes, mais des hommes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles parlaient grec déjà, des variétés de grec, et qu'elles avaient occupé déjà une partie du pays, et que du mélange, de l'influence entre ces populations et la civilisation crétoise est né ce que l'on appelle la civilisation mycénienne, qui a occupé la façade orientale de la Grèce actuelle, le Péloponnèse et les îles. Mycène, ville fantôme sur une colline dominant l'Argolide, capitale de la dynastie maudite des Atrides, Agamemnon, Ménélas, Clytemnestre, Oreste, Électre, tous les personnages de la tragédie grecque auraient donc vécu là. Seuls les rois, debout dans leurs chars, avaient le droit d'entrer dans la ville par cette porte, la porte des Lyones. Dans les pays de Tolède,
Les lionnes étaient le symbole de la puissance des Atréides. Leur tête était en cuivre ou en or, mais elles ont été pillées. Et encore d'autres tombes et d'autres trésors. Ces tombes ont été découvertes par Schliemann. C'était des tombes royales où Schliemann a mis au jour des quantités d'objets. Des masques d'or, beaucoup d'or. On estime que l'or des tombes atteignait une douzaine de kilos. Ce mur circulaire était construit avec des plaques de pierre apportées de la mer. Il y a des traces d'escargots de mer. Il empêchait les gens de pénétrer dans les tombes. Architecture colossale, faite de blocs énormes posés l'un sur l'autre. Seuls des géants, les cyclopes, disait la légende, pouvaient les avoir entassés là. Certains pèsent plus de 100 tonnes. Et au sommet de la forteresse, le palais. Le sol est en albâtre. Ici se trouvait l'estia, le foyer central. Là, une première colonne, une deuxième, une troisième, une quatrième. À partir de la terrasse, Agamemnon contemplait l'Argolide, tout ce paysage. Un paysage bien différent de celui d'aujourd'hui, peuplé d'animaux peints par des artistes, sans doute ramenés de Crète. Des antilopes, des singes, des léopards. Palais raffiné, à la mode crétoise, où les Aèdes venaient déjà chanter les exploits ou les malheurs de la dynastie des Atrides. Et dans la rue, une population où se rencontraient aussi les deux mondes, celui du petit peuple brun, méditerranéen, et celui des conquérants aux cheveux blonds, dont parle Homère et dont Costas a déterré les squelettes. Τους ξέρετε καλά τους Αχαιούς. Βεβαίως, πώς τους ξέρω. Oui, από τους, connais très bien. Et που τους έσκαβα με το μαχαίρι και έβρωμα τη κεφαλή στη μεγάλη. Je fouillais avec un couteau, je voyais leur tête, leur grande tête. Τα δόντια όλα. Toutes les dents. Καταλάβατε. Εδώ το είχανε, ήτανε γενναίοι άντρες. C'était des hommes courageux. Πολύ γενναίοι. Αλλά ήτανε κοντοί. Mais ils étaient courts, ils étaient petits de taille. Κοντοί. Όχι ψηλοί. Ναι, κατάλαβα. Σαν πάκομ λίγο. Δεν σας μοιάζαν τότε. Δεν τους μοιάζετε μάλλον. Τώρα είμαστε τα... Αλλά εθαύμασα τα δόντια τους. Mais j'ai admiré surtout leurs dents. Ils avaient tous leurs dents. Et pourquoi ont-ils fait la guerre de Troie? Γιατί κάνανε τον πόλεμο της Τροίας, νομίζω. Γιατί έγινε ο πόλεμος. Για το χρυσάφι. Pour l'or. Όχι για την ωραία Ελένη. Pas pour la belle Hélène. Όχι για την ωραία Ελένη. Παραμύθι είναι δηλαδή. Αυτό ήταν για το χρήμα. C'était pas pour la belle Hélène, c'était pour l'argent seulement. Peuple de proie, mais bien organisé, comme le révèle leur écriture tout récemment déchiffrée et qu'étudie le professeur Pierre Lévesque. Ce que les tablettes mycéniennes ont apporté de radicalement nouveau sur l'organisation de la société, c'est d'abord l'importance de la bureaucratie qui entoure le roi. Une bureaucratie composée de scribes importants en nombre, de véritables professionnels qui sont seuls capables de manier une écriture syllabaire difficile. Et cette chancellerie sert essentiellement au roi à surveiller et à animer la totalité de la vie économique. C'est-à-dire que nous sommes maintenant amenés nécessairement à considérer que ces royaumes mycéniens, malgré leur petite taille, sont comme une espèce de réduction au petit pied des grandes monarchies palatiales du Moyen-Orient, d'Égypte ou de Mésopotamie, c'est-à-dire des despotismes orientaux fondés sur un mode de production asiatique qui suppose l'exploitation des dépendants paysans par le monarque grâce à une bureaucratie importante.
Mais un second trait n'apparaît pas moins net dans les tablettes. C'est l'importance de tout ce qui concerne la guerre. Ces civilisations apparaissent comme des civilisations toutes tournées vers l'expansion extérieure, ne serait-ce que dans ces burgues fortifiées que sont les palais mycéniens. Et les guerriers, qui apparaissent aussi, par exemple, sur les vases ou sur les stèles funéraires, posent à l'historien un problème redoutable, car que sont-ils exactement au point de vue social ? Des guerriers qui sont arrivés avec une arme nouvelle, le char, tiré par deux pur sang thraces à la robe blanche, monté par un équipage de deux hommes, le maître de char et le cocher, le maître de char qui combat, le cocher qui conduit, frères d'armes, liés à la vie, à la mort. Ainsi qu'au galop de leurs chevaux, les Achéens, les ancêtres d'Achille, d'Ulysse et de Nestor, ont envahi la Grèce, conquis la Crète et les îles, combattus comme mercenaires jusque chez les pharaons d'Égypte. Les voilà les héros décrits par Homère, des conquérants, ivres de gloire, d'or et d'aventure. Pas d'uniforme mycénien. Mais enfin, en gros, ce que nous pouvons dire, c'est que, dans la mesure où il est métallique, cet armement est de bronze. L'armement défensif est largement représenté, d'abord par le casque surmonté de son cimier de crin, casque qui est ici une forme relativement ancienne, avec une décoration en dents de sanglier, normale dans une civilisation où la chasse garde encore son importance. Des types de cuirasses, il y en a plusieurs. Ici, c'est une cuirasse métallique à bandes qui a été représentée. Dans d'autres cas, nous avons des cuirasses qui sont uniquement faites de cuir. Aux jambes, des cnémides. Et enfin, le bouclier, pièce essentielle de l'armement défensif. Vers la fin de l'époque mycénienne, nous avons des boucliers soit ronds, soit même comme ici, échancrés vers le bas et préparant des formes qui seront largement reprises ultérieurement. Quant à l'armement offensif, il est constitué d'abord par ces deux lances, que l'on voit d'ailleurs plus souvent servir pour le corps à corps que pour le jet. La pièce principale n'en est pas moins l'épée, svelte avec la forte nervure centrale, et qui sert généralement à frapper des stocks et non de taille. Enfin, notre guerrier possède un poignard dont la lame est décorée d'une scène de chasse. Guerrier et marin, ils se répandaient bien au-delà de ce qui avait été le centre de départ de cette civilisation mycénienne. Ils atteignaient vers l'Est le Moyen-Orient, la Syrie, la Phénicie, en Asie, Milet, la région de Troie, et vers l'Ouest, Tarente et la Sicile, sans doute. Ils avaient occupé, en premier lieu, la Crète, qui était devenue mycénienne. Ainsi, ils avaient réalisé, dans la ligne même des Crétois, une véritable communauté de civilisation. Ce n'était pas un empire. Il n'y avait pas une domination centrale, mais une masse de roitelets qui se disputaient peut-être entre eux, mais qui avaient les mêmes façons de vivre, ces façons de vivre que nous restitue maintenant l'archéologie. Et tout au long de ces routes commerciales, il y avait une série d'échanges qui se produisaient et qui réalisaient comme la circulation
de toutes les richesses, l'ambre qui venait de la Baltique, l'or de la Colchide, les échanges entre l'argent de la Grèce ou des îles et le cuivre de Chypre, ce cuivre qui a donné son nom à Chypre et qui est indispensable pour la fabrication du bronze, avec un étain dont on discute sur les routes exactes qu'il pouvait suivre pour arriver dans la Grèce, qui en est sans doute dépourvue. Et dans cette région-là, on est frappé de voir que la ville de Troie se trouve plutôt comme un point d'aboutissement. C'est le bout du monde mycénien. Bout du monde, mais aussi porte de l'aventure. Au-delà, c'est l'Asie, le pays légendaire de l'ambre, de la toison d'or et des Amazones. Pour l'atteindre, il faut traverser le détroit des Dardanelles, qu'ils appelaient l'Hellespont. Un passage difficile et dangereux. Vous voyez ici sur la carte des détroits entre la côte d'Europe et la côte d'Asie. À l'endroit ici, tout à fait au début, au goulet d'entrée, il y a à peu près 3000 de large, pas plus. Ici, on arrive à pas tout à fait 5000. Or, c'est par ce détroit que toute l'eau de la mer Noire, donc des fleuves russes, s'écoule vers la mer Méditerranée. Et cela provoque un courant qui est marqué ici par cette flèche, deux nœuds vers la sortie. Ici, il est marqué à nouveau, un nœud et demi à deux nœuds et demi. Et ce courant est constant. Contrairement au courant des mers Atlantiques ou de la Manche, qui s'inverse toutes les 6 heures lorsque la marée se retourne, ici le courant est constant 24 heures sur 24. On ne peut pas attendre qu'il renverse pour profiter de la bonne direction. Et donc les marées d'autrefois, qui n'avaient pas de moteur comme nous en avons maintenant, étaient obligées d'attendre un vent d'ouest assez fort qui puisse les faire remonter ce détroit plus vite que 3 nœuds, afin d'arriver à aller plus vite que le courant en sens contraire. Et ces circonstances n'arrivaient que quelques jours dans le mois. Il pouvait arriver que tout un mois se passe sans qu'aucun bateau ne puisse remonter les Dardanelles. Alors que faisaient-ils en attendant? Et ils s'échouaient sur les plages qui sont ici. Et ils attendaient qu'un vent favorable arrive pour leur permettre de remonter les Dardanelles. La ville de Troie elle-même est plus en amont. Comme à peu près toutes les grandes villes de ces eaux qui étaient mal fréquentées, si on peut dire, il y avait beaucoup de pirates, de corsaires qui écumaient ces mers, les grandes cités, même les petits villages des Cyclades, ils sont tous sur la ligne de crête. Ils ne sont jamais en bordure de mer. La ville de Troie est en amont, quelque chose qui fait comme 10 km à peu près en amont du fleuve. Seulement c'est elle qui contrôlait toute la côte et toutes les plages sur lesquelles les marins venaient échouer leurs bateaux en attendant un vent favorable pour remonter le détroit. Du haut de cette petite colline, Troie surveillait le passage entre deux continents, l'Europe et l'Asie, comme l'explique le professeur Ephrem Akurgal de l'université d'Ankara. La ville de Troie, qu'on appelait aussi Ilion, se situait dans un triangle formé par le Scamandre et ses deux affluents, le Simois et le Tumbrios. Le Scamandre avait encore un autre nom, il est appelé dans les champs d'Homère quelquefois le Xanthe. C'était une très petite colline. Dans l'époque de Priam, la ville n'avait que 110 mètres de diamètre. Pendant 3000 ans, on a cru que c'était une ville imaginaire. Jusqu'au jour où Schliemann est arrivé sur cette butte de terre. Le livre d'Homère dans une main et un chronomètre dans l'autre et a dit « c'est là ». Il ne s'était pas trompé, comme le raconte le guide turc Sabahattin. Un jour, Schliemann, sa femme et des ouvriers turcs travaillaient ici. Il était très fatigué. Il pensait toujours au trésor de Priam. Soudain, il a vu quelques petits morceaux d'or dans cette partie. Il a compris que le trésor de Priam était ici. Il a parlé avec sa femme Sophia. Après, il a arrêté le travail. Des ouvriers turcs ont quitté ici. Pendant la nuit, Schliemann et sa femme sont revenus. Ils ont continué rechercher. Après, ils ont trouvé beaucoup de morceaux de trésors. Pour un soir, Schliemann part à sa femme comme une princesse troyenne. Puis, emportant le trésor, ils s'enfuirent dans la nuit, poursuivis par les autorités turques. Mais il l'a volé, ce trésor ? Eh oui, on peut dire. Et deux grands diadèmes, 60 bracelets, beaucoup de pendants d'oreilles, des assiettes, des cruches, cruchons qu'on a fait d'or et d'argent. C'était formidable. En fait, Schliemann en fit don au musée de Berlin.
et deux copies du trésor dit de Priam, baptisé par M. Schliemann. Mais M. Schliemann s'est trompé d'environ 1000 ans. L'archéologie depuis Schliemann a fait de grands progrès. Ici, nous avons une coupe et des plans détaillés qui nous présentent les couches et les niveaux superposés de cette ville. Et le plan fait une impression complexe, mais on peut se rendre facilement compte comment les villes sont superposées et comment elles ont été détruites et construites l'une après l'autre. D'abord, il y a la couche grecque et romaine. C'est la dernière en date, mais au-dessous d'elle, enfouie sous la terre, on a découvert 8 villes superposées, construites l'une après l'autre, au cours des 3000 ans qui ont précédé Jésus-Christ. Mais la couche, ou bien le niveau le plus important, date de deuxième millénaire, c'est le sixième établissement, qui date de 18e siècle à 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est un niveau qui se compose de 8 couches superposées et la dernière phase est, à mon avis, la ville dans laquelle Priam et ses fils ont vécu et c'était l'époque la plus brillante de la ville. Qui étaient-ils, ces Troyens, ces fils du roi Priam, Hector et Paris, des guerriers eux aussi, venus du nord, comme les Mycéniens? Homer n'a jamais considéré la différence entre Grecs et Troyens comme une différence ethnique. À preuve, le fait qu'il n'emploie quasiment jamais le terme de barbare pour désigner les Troyens. Et les recherches des modernes semblent bien prouver que Grecs et Troyens étaient ethniquement parlant très proches les uns des autres, correspondant les uns et les autres à des envahisseurs indo-européens, si bien que la guerre de Troie est un peu une guerre entre cousins germains. Du point de vue de l'armement, on ne s'étonnera pas qu'il soit si difficile de spécifier. Donc l'armement troyen est, c'est comme un second guerrier d'époque achéenne que nous avons sous les yeux. Son casque est un casque de cuir à bourrelet avec clous de bronze doré. Il porte la fière crinière chargée d'épouvanter l'ennemi et les deux cornes que l'on voit assez souvent apparaître sur des casques de cette époque et en particulier sur des casques de dieux dont il symbolise la surpuissance. La cuirasse de bronze aux couleurs finement nuancées, est faite d'une imbrication d'écailles. Le bouclier, lui, c'est la petite rondache avec des clous et un imbeau central qui apparaît vers la fin de l'Helladique récent, c'est-à-dire au moment de la guerre de Troie. Tel est le guerrier qu'Homère peint comme chéri d'Arès, comme puissant au cri de guerre. Pourtant, tout allait bien entre Grecs et Troyens, jusqu'au jour où Paris, un des fils de Priam, est invité en Grèce par le roi de Sparte, Ménélas. Le beau Paris, nous dit Homère, n'est qu'un instrument dans la main des dieux, qui l'ont obligé à rendre un jugement impossible, décider entre trois déesses quelle était la plus belle. Athéna, fille de Zeus, raison, sagesse et chasteté, Héra, redoutable épouse du maître de l'Olympe, ou Aphrodite, sa fille préférée, déesse du rire et de l'amour. Paris a choisi Aphrodite. Le voilà donc condamné à l'amour. Le voilà enchaîné à une grecque, la femme de son hôte, la belle Hélène. Qui est Hélène? Nous avons assez peu de choses sur elle, sinon qu'elle est d'essence à moitié divine. Mais ce que nous savons est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que vers l'âge de 10 ans, elle a déjà eu une petite aventure. Et pas avec n'importe qui. Elle a eu une aventure avec Thésée. Ensuite, elle a eu beaucoup d'autres aventures. C'est-à-dire qu'elle a suivi
Elle s'est échappée de la maison avec plusieurs princes du Péloponnèse. Ordinairement, les amants d'une même femme n'aiment pas tellement former un syndicat. Or là, il s'est passé une chose extrêmement curieuse, c'est qu'à partir du moment où Ménélas, qui est le plus puissant et l'aîné des Atrides, a décidé d'épouser Hélène, il s'est formé une espèce de syndicat des amants d'Hélène, des amants passés, qui ont tous juré à un moment donné qu'ils protégeraient Hélène et Ménélas, quoi qu'il arrive. Quand Hélène rencontre Paris, qui est invité chez Ménélas, elle est sensible d'abord à son extrême beauté, à son charme. Il a derrière lui le renom d'une grande fortune. Il a aussi le goût de l'aventure. Donc tout pour plaire à une femme qui s'ennuie à la maison avec un mari qui est, cela se voit assez facilement à travers l'Iliade, est un très ennuyeux personnage. Quand elle s'en va avec Paris, quand elle s'enfuit, à ce moment-là, la coalition se forme. Soudainement, toute la Grèce se lève. La foule des soldats, je ne saurais la dire, ni les nommer. Eussé-je 10 langues, 10 bouches, une voix incassable et des poumons de bronze. À moins que les muses olympiennes, filles de Zeus, porte Égide, ne me rappellent tous ceux qui vinrent sous Ilion. Mais les chefs des vaisseaux, je les dirai, et le nombre total de ces vaisseaux. Selon Homère, les alliés se seraient rassemblés à Aulis. Et Homère nous donne, dans le catalogue des vaisseaux, la liste de ses alliés. Il y a d'abord un groupe de peuples de la Grèce centrale. Il y a ensuite ceux du Péloponnèse, les Mycéniens avec Agamemnon, les Lacédémoniens avec Ménélas, les gens de Messénie avec le vieux Nestor, et jusqu'à Ithaque, la patrie d'Ulysse. Et puis, on passe aux Crétois et aux Rhodiens, et on revient en quatrième groupement avec les Thessaliens et les gens de la région maritime de la Thessalie à laquelle appartenait Achille. Cette géographie n'a rien à voir avec la réalité de la Grèce mycénienne. Et par conséquent, c'est une géographie, nous sommes dans le domaine de la fiction. Cette fiction que raconte Homère et qui, après le sacrifice légendaire d'Iphigénie, aurait mené la flotte achéenne jusque sous les murs de Troie. « 186 vaisseaux, affirme Homère, et plus de 100 000 hommes. Une immense expédition. Où trouver les plages pour un tel débarquement ?»« Ici, c'est l'endroit le plus propice qui correspond aux données dans l'Iliade. On pourrait tirer les 1000 vaisseaux des Achéens sur cet endroit, sur 2 rangs. Et on pourrait construire le mur qui encerclait le camp achéen. » Le dos à la mer, le camp retranché des Achéens se trouvait ici, devant la vallée du Scamandre, à 5 kilomètres environ de la colline de Troie qui commande la plaine. Troie où, selon Homère, étaient accourus 50 000 guerriers et mercenaires. Les Troyens avaient pour chef le grand Hector, au casque étincelant, fils de Priam. Avec lui, les troupes de beaucoup les plus nombreuses et les meilleures s'armèrent, impatiente de combattre à la lance. Homère nous dit aussi les alliés des Troyens. Ces alliés des Troyens, ce sont les voisins de Troie,
Ce sont les gens du nord, peuplade sauvage de la Thrace ou de la Péonie. Ce sont les peuplades mystérieuses du nord de l'Asie mineure, paphlagonien, alizone. Ce sont surtout les voisins de Lyonie, qui était la patrie d'Homère, les Méoniens, les Lydiens, les Lyciens, les Cariens. Il n'y a pas de réalité historique à leur alliance avec Troie. Ce sont simplement les adversaires. Ainsi qu'un feu dévastateur embrase une forêt immense au sommet d'une montagne, et de loin on voit sa lueur. Ainsi, des guerriers en marche, le bronze resplendissant lançait son éclat à travers les terres jusqu'au ciel. Comme des moissonneurs se faisant face suivent les sillons chez un riche propriétaire dans un champ de blé ou d'orge, et les javelles tombent épaisses. Ainsi les Troyens et les Achéens, s'élançant les uns contre les autres, se massacraient sans qu'aucun d'eux songeât à la fuite désastreuse. Égaux dans cette mêlée était leur front, et comme des loups, ils se précipitaient. Les assauts furieux des Achéens viennent se briser en vain contre les murailles de Troie. Jamais ils ne réussiront à les forcer. Ce sont les murailles devant lesquelles les Achéens et les Troyens ont fait leur combat. Ah, si les murs avaient la parole. Eux seuls savent ce qui s'est vraiment passé ici. Il y a plus de 3000 ans. Les murailles sont bien conservées. Elles ont une hauteur de 5 mètres aujourd'hui, mais à l'époque, elles avaient une hauteur de 9 mètres avec la partie en briques crues. Et c'est vraiment une très belle construction, et l'une des murailles les mieux conservées que nous ayons de l'Antiquité. Et devant nous, l'une des entrées de la ville, sous forme d'un corridor. Quand l'ennemi voulait attaquer la ville et se trouver dans le corridor, les Troyens pouvaient l'attaquer de dessus. 10 ans dura la guerre, nous dit Homère. Mais la guerre de Troie n'est sans doute qu'un symbole, le résumé d'une longue série d'expéditions pour la conquête de l'Asie mineure, et qui a peut-être duré des siècles. Tous les combats ne se sont pas déroulés dans cette plaine,
comme le prétend le poète. Alors, il y a eu plusieurs guerres de Troie. Et Homère se base sur ces événements historiques qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Mais il ne faut jamais chercher une description exacte des événements historiques. Ce n'est qu'une version poétique. Ce que le poète a voulu faire, eh bien, c'est répondre à l'attente d'un certain public. Ce public qui est celui des âges sombres de la Grèce. C'est celui de ces seigneurs dans leur manoir qui aiment entendre raconter les belles histoires du temps passé, magnifiées et bien entendu profondément transformées. Et ce qui les intéresse, eux, eh bien, c'est le récit des exploits guerriers, et en particulier de ces luttes d'homme à homme, héros contre héros. Mais pour Homère, ces héros ne sont que de pauvres jouets entre les mains des dieux et des déesses qui se disputent entre eux. Héra qui soutient les Grecs et Aphrodite les Troyens. Tant et si bien que le dieu de la guerre lui-même, Arès, finit par se lasser et supplie Zeus d'arrêter le carnage et de rappeler sa fille Aphrodite à la raison. Zeus, pater. Zeus, père, ne t'irriteras-tu pas en voyant ces violences? Affreux sont les maux que sans cesse, nous les dieux, nous souffrons par la volonté les uns des autres en apportant notre faveur aux hommes. Contre toi, tous, nous combattons, car tu as engendré une fille insensée, funeste, qui toujours a l'idée d'actes abominables. Tous, en effet, les autres dieux qui habitons l'Olympe, nous t'obéissons et te sommes soumis. Elle, tu ne l'attaques ni en parole, ni en acte, tu la laisses faire. Parce que tu as toi-même engendré cet enfant qui détruit tout. Mais tout cela est-il vraiment arrivé par la faute d'Aphrodite, déesse de l'amour? Par la faute de la belle Hélène, enlevée par Paris? Les Grecs qui font le siège de Troie se soucient-ils vraiment des amants coupables, réfugiés dans la ville? Installés pendant des lustres sur les rives de l'Asie, ils semblent bien plus préoccupés de conquérir des villes, d'amasser le butin, de s'emparer de l'or, des esclaves et des femmes. C'est ainsi qu'Achille, au cours d'une de ses razzias, a capturé une belle étrangère, Briseis, dont il est tombé amoureux. Mais le roi des rois, Agamemnon, lui a volé son esclave. Et c'est par là que commence l'Iliade. L'Iliade, ce n'est pas le récit de la guerre de Troie. C'est le récit de la colère d'Achille. Et c'est d'ailleurs ce que le poète dit dès le début. Muse chante la colère d'Achille. Achille a été blessé parce qu'Agamemnon lui a ravi sa captive Briseis. Ce qui le choque peut-être dans son amour et en tout cas certainement dans son prestige de chef. Et à partir de ce moment-là, il se retire loin du combat. Et c'est une suite quasi ininterrompue de malheurs et de désastres pour les Achéens, qui manquent même d'être forcés dans leur camp, jusqu'au moment où Patrocle obtient de son ami Achille de pouvoir revenir au combat. Il est tué par Hector, et c'est le moment de la péripétie essentielle de l'épopée, car Achille, fou de douleur, va revenir au combat, et désormais, le sort des armes va changer au profit des Achéens. Achille va être victorieux d'Hector, qu'il traîne autour des murs de sa patrie,
et qu'il ne consent à rendre à sa famille pour les funérailles qu'après de longues négociations avec le vieux père. Et c'est là que s'arrête l'Iliade. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas la fin de la guerre. On ne la sait pas parce que ce qui dans ce récit intéresse l'auditeur, ce n'est pas la guerre elle-même dont il connaît évidemment la trame générale. C'est comme un immense épisode qu'Homère a voulu concentrer d'une manière extrêmement forte et puissante au point de vue littéraire, car déjà les critiques de l'Antiquité avaient remarqué que c'était comme une tragédie avec une péripétie centrale. La péripétie, c'est la mort de Patrocle, le moment où tous les événements vont changer et où ce simple destin individuel va entraîner en quelque sorte une modification du destin général sous l'œil des dieux qui, on le sait bien, continuent à veiller sur les actions des hommes. Troie finira par succomber, non à la force mais à la ruse. Selon une nouvelle légende, celle du cheval de Troie, racontée par Virgile, un autre poète. Faisant semblant de s'en aller, les Grecs l'ont abandonné sur la plage après y avoir caché leurs meilleurs guerriers. Et les Troyens, triomphants et naïfs, s'emparent de ce trophée et le traînent dans leurs murs. D'après la tradition, c'est le stratagème par lequel les Achéens ont conquis la ville de Troie. Mais aujourd'hui, nous avons une explication plus logique. C'était l'effigie qui a été érigée par les Grecs comme cadeau de remerciement à Poséidon. Poséidon était le maître des tremblements de terre. C'est lui qui a détruit la ville à peu près en 1275. Et quand les Grecs ont vu que la ville n'était plus une force militaire, ils sont venus et pour cette raison, ils ont érigé une statue comme cadeau de remerciement. Et pourquoi une statue de cheval ? Parce que c'était son emblème. Il était le maître des tremblements de terre et son emblème, l'un de ses emblèmes, était le cheval. Selon la légende, les guerriers achéens introduits dans la place sortent du cheval à la nuit tombée et ouvrent les portes de la ville à leurs frères. Et Troie est détruite, mise à feu et à sang. La tradition veut qu'un prince troyen, aîné, réussit à échapper au massacre et à fuir la ville, emportant son père en chise sur son dos. Plus tard, il fonda Rome. C'est en tout cas ce que raconte Virgile dans l'Énéide. Mais ceci est une autre histoire, une autre légende. Quant aux vainqueurs, ils vont expier leur cruelle victoire par les affres d'un long retour, qu'Homère raconte dans l'Odyssée. Tous n'auront pas la chance, comme Ulysse, de faire un beau voyage et de retourner plein d'usage et raison vivre parmi les siens le reste de son âge. Nulle part, le retour des héros n'est plus tragique qu'à Mycène, la maudite, où le roi Agamemnon est assassiné par sa femme Clytemnestre et vengé par son fils Oreste. Oreste, a dit à sa mère, tu l'as, γιατί σκότωσες. Pourquoi as-tu tué mon glorieux père, τον Αγαμέμνονα, le roi Agamemnon? Λέει, αυτή του δείχνε τους μαστούς ότι σε βίζαξα, oui, παιδί μου. Clytemnestre lui a montré sa poitrine, elle a dit, c'est moi qui t'ai allaité. Ηλέκτρα, από πίσω του λέγε... Ηλέκτρα, qui était derrière sa mère, disait à Oreste, mais tu l'as, tu l'as. Και τότε σήκωσε τον Πέλεκα, alors il a... ο Ορέστης, και είπε, με τον ίδιο Πέλεκα, λέει, που εσκότωσες τον ένδοξο πατέρα μου, τον Αγαμέμνον, σε αποκεφαλίζω. Avec le même poignard que a été tué mon père, je te tue. Et c'est la fin de Mycène.
la fin d'une civilisation. La disparition du monde achéen reste un mystère, comme celle du monde minoen. Il y a 1000 supputations, les archéologues, les unes très satisfaisantes, les autres intéressantes, les autres complètement fausses et imaginaires, mais nous ne saurons jamais en fait la vérité. La vérité est peut-être très simple. Nous nous trouvons en face d'une civilisation qui s'est suicidée dans la guerre. Non, on ne saura jamais pourquoi ni comment Mycène, l'ancêtre de notre civilisation, a été englouti brutalement dans la nuit des temps. Peut-être le volcan Santorin, qui du cœur de la mer Égée faisait trembler toute la Grèce, a-t-il provoqué une immense catastrophe naturelle, où tout un monde fut ruiné, écrasé, enseveli et oublié pour 3000 ans. Peut-être après tout, Homère avait raison. Peut-être que les dieux s'en étaient mêlés. Zef Pater, alassi, risei pieros ia sachion, pison vethrin, vos dophthalmisin ideste, en δε φάει και όλεσον, επί νίτι εύα δεν ούτος. Zeus, Père, tire du moins de ce brouillard les fils d'Achéens. Fais le ciel clair, donne à nos yeux de voir. Puis en pleine lumière, continue à nous perdre. Puisqu'il te plaît ainsi.